vous montre nouveau. Ce que vous voulez. Ok, donc je vais passer comme ça sans les ou pas. Ok. Alors, deuxième question. Une certification. Donc c'est 26 000 à 14 000 ans, les masses, l'envol. 9 000 ans peut-être nous intéresse. La 13 000 et quelques pour les DMI. Toutes les certifications qualité environnementale. Ça de voir si vous avez un interne de qualité. Mais pour donner l'exemple, tu peux montrer toutes les pièces. On fait les pièces jointes. Ok. Demander l'autorisation à Elodie de Primum Nonocere. Pour qui c'est le dernier jour. Donc là, je vais vous dire au revoir. Donc le type de document qui nous convient. On préfère, si vous pouvez travailler dessus, c'est qu'on a quatre portraits pour pouvoir les mettre dans notre magazine en fin d'année. Voilà. Donc, premier document avec des chiffres clés, les engagements, etc. La certification, donc le certificat nous intéresse. Il y a aussi notamment, pas si longtemps, mais en tout cas, comme certification, tout ce qui est à la qualité, ce sont des exemples qui sont donnés là dans la question 2. Tout ce qui est certification ou valorisation en fait, par un organisme externe pour votre démarche environnementale, sociale ou qualité est à mettre dans cet onglet-là. Par exemple, nous, on a fait une validation avec le label B Corp. On a inscrit notre notation B Corp ici. Donc, là, alors, donc, je ne peux pas tourner. Ah, si. Je ne peux pas la tourner, mais voilà l'évaluation. D'ailleurs, je réfléchis à passer aussi cette notation, puisqu'elle est très réputée dans les milieux pointus de la RSE. Alors, rapport RSE, donc là, c'est le rapport annuel. C'est un rapport d'activité qui inclut l'activité de la responsabilité sociétale de l'organisation. Voilà. Donc, pour les entreprises qui ont des rapports imposés par le CAC 40, parce qu'ils sont au CAC 40, vous avez des rapports tout faits et ils peuvent être présentés en anglais, même si nous préférons les documents en français. N'hésitez pas à des questions au fur et à mesure. Faites un bilan carbone et suivez-vous les préconisations. Donc, au-delà du bilan carbone, ce qui nous intéresse, c'est le bilan des effets de serre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'estampillation carbone. Si vous êtes une structure qui fait moins de 100 salariés, le bilan à gaz d'effet de serre nous convient très bien. Et voilà, je vous présente comme ça. C'est un document technique qui recense toutes les émissions de gaz à effet de serre de votre structure. Avec les résultats en tonnage versus les années précédentes. Les informations sur la stratégie, on rentre sur ce qu'il faut renseigner pour faire un disert. Pour ce qui est de la stratégie, nous avons les webinaires mensuels qui aborderont plus précisément chacun de ces outils. Question 5, alors là, vous faites toute l'erreur quasiment. Il faut amener vos données brutes au kilo de chiffre d'affaires, au kilo euro de chiffre d'affaires. Donc, l'année divisée par le chiffre d'affaires. Cela nous permet d'avoir un ratio qui peut évoluer d'une année sur l'autre à votre avantage. Plus vous augmentez le chiffre d'affaires et plus vous baissez vos consommations d'énergie. Certains ont un ratio au tonnage de produits vendus ou de produits manufacturés. Ça nous convient aussi très bien. Il suffit juste de me faire savoir par mail. En question 6, avez-vous optimisé au moins deux de vos indicateurs environnementaux sur l'ensemble de vos activités ces dernières années? Bien là, vous devez avoir un suivi de performance, simplement un tableur, qui présente les résultats d'une année sur l'autre sur les thèmes majeurs du développement durable. Je vais juste prendre le temps de regarder si j'ai des questions au chat. Tout, n'hésitez pas à me poser ou à nous faire des commentaires sur le chat. Ok?
Alors, annuellement la qualité de vos services produits auprès des utilisateurs. Donc, les enquêtes de satisfaction, vous pouvez nous fournir soit le questionnaire avec le processus que vous avez, soit les résultats d'enquête que vos apparitions officielles dans vos différents pôles de business unit. Voilà, donc vous avez plusieurs types de commentaires et de questionnaires à mettre en place. Enfin, pouvez-vous communiquer le pourcentage de salariés en CDD ou en intérim en CDI? Bon, ben là, c'est simple, vous avez les données au niveau RH. Ensuite, avez-vous mesuré le bien-être et la satisfaction de salariés avec la mise en place d'actions amélioratives? Là, c'est un rapport ou un questionnaire au niveau de salarié pour savoir comment ça se passe. Alors après, ce questionnaire change en fonction des fournisseurs. Le problème, c'est que je voudrais bien vous montrer, mais il y a une question de confidentialité sur ces questions. Donc, ce qu'on va faire, vous allez chacun vous mettre sur votre propre plateforme et vous allez en prendre un que je ne vais pas partager avec vous pour des questions de confidentialité. Ah, si, je sais, je vais en prendre un qui n'a pas répondu. Comme ça, hop, voilà, à l'instant, ils n'ont pas répondu. Et on a, à mon avis, l'une de questions qui vous compte, que vous allez pouvoir voir. Donc, c'est des vieux commentaires qu'ils ont fait. Ils n'ont pas répondu cette année. Donc, voilà. Donc, on était à la question 10. Très importante pour les entreprises qui sous-traitent à l'international dans les pays à risque. Il est très important de nous fournir une attestation de la part de votre DRH ou l'engagement de votre direction sur l'organisation internationale du travail pour nous assurer qu'aucun enfant de moins de 14 ans travaille à la fabrication de vos produits. Voilà. La question est très importante, elle est éliminatoire. Dès qu'on rentre en politique d'achat, là, nous souhaitons avoir vos critères environnementaux de sélection de vos fournisseurs et sous-traitants. Et sociaux. Donc, c'est deux questions séparées. Parfois, vous le traitez en une réponse. Vous me mettez deux fois votre document pour me justifier. C'est très important de justifier vos réponses oui si vous n'avez que la moitié du point. Nous ne notons pas. C'est le système qui est automatiquement généré par vos réponses qui note votre appréciation. Nous pondérons quelques réponses, en l'occurrence la question sur la politique de l'entreprise et sur la politique d'achat, mais nous n'entrons pas dans la notation de l'indice vert. Pour les co-conçus, connaissez les matériaux et substances entrant dans la composition du contenu et du contenant de vos produits. Si c'est une réponse partielle, vous aurez donc une pondération sur ce sujet, mais par contre, ne répondez pas non. Que le contenu, mettez-nous quand même la fiche DS pour justifier les informations. Je vois une question qui est très importante. Est-ce que le nombre de documents à joindre influe sur l'algorithme? Donc, si je comprends bien, pour une première réponse, si une réponse oui, j'ai automatiquement au minimum un document justificatif. Il n'y a pas deux, trois, s'il y en a un, c'est déjà très bien. Nous, ce que l'on va pondérer, c'est la qualité du document. Et donc, pour suivre cette question qui est très pertinente, nous avons, une fois que vous avez répondu au questionnaire, nous avons deux champs où nous rendons, au fur et à mesure de l'évaluation, vos rapports et vos améliorations. Ça, c'est la nouveauté de l'année. Tout était fait par le système, par l'algorithme. Là, cette année, la vision humaine de notre évaluation va ressortir sur ces points-là. Donc, quand vous recevrez après le 14 juin vos résultats, vous aurez la première page, comme d'habitude, avec l'explicatif de l'indice vert, vos résultats, la moyenne par catalogue, l'indice vert que vous aurez obtenu, et une deuxième page que l'on appelle le plan de progrès individuel, qui refortir ces deux points. Voilà.
que j'ai répondu à votre question? Parfait. En effet, vous avez une différence de questions entre les catalogues. Donc, en effet, pour certains catalogues, la question 13 n'est pas celle que je viens d'expliquer. Avez-vous intégré des préconisations de protection individuelle à la notice ou à l'emballage? Donc, cette question est retrouvée un peu plus loin pour d'autres acteurs, pour d'autres catalogues. Et là, cette question, elle n'est pas bien formulée. Je regrette. Ma faire avec, c'est à savoir si vous avez des consignes d'usage de vos produits. Certes, il y a la préconisation de protection individuelle à la notice ou à l'emballage, mais on va au-delà, on a aussi aux préconisations d'usage. Faut-il mettre des gants? Faut-il mettre un masque? Faut-il mettre des chaussures de chantier? Est-ce que c'est lourd? Voilà. Donc, tenant compte et répondre dans ce sens. Est-ce que j'ai sur cette question? Continue. Donc, la thèse n'est pas la même, mais tout un tas de questions ne sont pas les mêmes. Donc, je vais balayer ce que je peux parce que je ne veux pas rentrer dans chacun de vos indices verts pour la simple raison de la protection de l'information industrielle. Je pense que chacun a sa propre gouvernance et ses propres actions et donc ça reste votre propriété intellectuelle. Donc, ce fournisseur et ce catalogue, pouvez-vous garantir que vos dispositifs médicaux ne contiennent pas de substances dangereuses? Les substances présentant un pictogramme de dangerosité substituable ou pouvez-vous nous garantir que vos dispositifs médicaux ne contiennent pas de substances dangereuses? Donc, en fait, là, c'est important que vous répondiez sur la composition de vos matériaux. Donc, le catalogue. Dispositifs médicaux, il n'y a pas de problème. Je vais cacher les réponses. Voilà, comme ça, je suis nickel. Excusez-moi, je cache. Voilà, n'est-ce pas grave, je cache. Comme ça, je suis plus sereine. Ensuite, avez-vous des questions à ce stade? Alors, de nous fournir, avez-vous intégré des protections de protection individuelle en vue? Capacité de nous fournir l'ensemble des FDS à jour liés aux substances dangereuses de vos produits et de leurs contenants. Donc là, par exemple, vous les avez pas. Et parfois, vous n'êtes pas concerné. Donc, vous pouvez l'indiquer. Dans le cas où vous avez un produit dans lequel se trouvent des substances dangereuses, on ne va pas vous demander de nous télécharger la liste de toutes les fiches de données de sécurité. Vous téléchargez une ou deux pour nous montrer le type de FDS que vous fournissez en fait à vos clients. Et également, si vous n'avez pas de fiches de données de sécurité parce que ce n'est pas la nature du produit, vous pouvez nous transférer également des fiches techniques. Donc, par exemple, il y a également sur le contenant aussi des données de sécurité ou sur les matières qui le composent. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas des FDS, à mettre sur les fiches techniques aussi et à télécharger s'il y a des matières sur lesquelles il y a un pictogramme de dangerosité également, voilà. Donc, pas que les fiches techniques également. Tout à fait. On est à la 17. Êtes-vous en capacité de nous fournir la traçabilité des composants de vos produits provenant ou manufacturés à l'étranger? Donc là, ça va être un scan que vous avez dans votre logiciel qui indique la provenance de vos produits. Donc, qui peut être numéroté, il suffit de nous donner ou le code ou la méthode, nous expliquer la méthode par laquelle vous tracez la provenance de vos produits. Assurez-vous l'étiquetage informant de la présence de substances à l'état nanoparticulaire. Donc, là, de notre côté, nous ne sommes pas encore au point sur ce sujet. Donc, nous allons travailler dessus, c'est une des questions de l'année prochaine. De 2018-2019. Mais, parce qu'on voit beaucoup qui disent non concernés, ne sait pas. Donc là, je pense que tout le monde doit se mettre en veille sur ce sujet parce que c'est réglementaire, en effet. Une gamme de produits recyclables pour la 19, donc là, c'est oui ou non, et la justificative de votre gamme de produits qui peut être un document. Par exemple, de présentation commerciale. En posez-vous des gammes de dispositifs
dispositifs médicaux permettant de générer moins d'impact environnementaux chez le client. Donc, la veille, c'est soit une plaquette commerciale, soit un dispositif de R&D que vous avez chez vous. La question suivante, ces gammes permettent-elles également de réduire le coût chez le client? Donc là, c'est oui ou non. Mais ce qui est important, c'est comment vous tracez cette économie? Est-ce que vous avez piloté cette économie? Si vous mettez oui et que vous n'avez pas de documents, l'algorithme va calculer et vous réclamer des pièces justificatives. Mais ça peut être de l'aide d'intention en disant, ben voilà, on a fait le calcul, ça représente en moyenne tant de chiffres, tant d'économies, etc. Et là, et c'est là que nous, on pondère la question, l'idéal, c'est que vous nous apportiez des éléments de preuve chez vos clients, en témoignage, des économies que vérifier. Envers, proposez-vous un accompagnement à la gestion des stocks? Donc là, régulièrement, j'ai la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué. Vous sollicitez vos services logistiques et vous leur demandez s'ils pilotent auprès des établissements de santé une gestion du stock, c'est-à-dire accompagner à réduire les petites commandes, accompagner à la logistique des commandes. Donc, tous ces éléments, ça permet de gérer les stocks. Soit une commande, donc on la retrouve plus loin, c'est la 29, avez-vous mis en place une politique d'incitation au regroupement des commandes? Donc les deux questions se regroupent. Est-ce que là, ou c'est clair pour vous? Ok, pas de réponse. Ensuite, nous sommes en question 23. Posez-vous de gamme de dispositifs médicaux en plastique phtalate? Donc là, selon les catalogues, ce n'est pas la même question. C'est une question qui va être au niveau du risque sanitaire auprès de ses collaborateurs ou auprès de de l'usager. C'est oui et on justifie. Proposez-vous la reprise des médicaments périmés ou non utilisés? Donc là, la question est élargie. C'est proposez-vous la reprise de vos produits périmés ou non utilisés? Pareil. Justificatif, non concerné, ne sait pas, vous avez les choix que vous pouvez. Avez-vous obligé un partenariat avec vos transporteurs ou la distributeur les engageant dans des objectifs qualité et développement durable? Vous avez votre propre flotte, avez-vous mis en place des actions permettant la réduction de l'impact environnemental de vos livraisons? Là, nous aimions bien, nous apprécions le document de votre transporteur ou distributeur. Nous aimons bien aussi comment le piloter, comment vous suivez les enjeux sur l'empreinte carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre, les coûts et la logique de livraison. Voilà. Et là, s'ils ont la main sur le cartonnage. Donc, s'ils ont ces informations-là, ils peuvent, votre distributeur ou transporteur, vous aider à répondre à la 26. Le ratio moyen de l'ensemble des emballages de vos produits sur un moyen de l'ensemble de vos produits. Cette question est cruciale. Elle va être de plus en plus centrale. Nous allons de plus en plus travailler sur l'optimisation des emballages. Plus vous avez un ratio faible, mieux c'est. Ensuite, donc c'est vrai, vous avez le mode de calcul, oui, non. Vous et nous avons les informations. Proposition de reprise gratuite des emballages de livraison auprès de vos clients. Une question. Excusez-moi. Ce ratio ne prend pas en compte la recyclabilité, malheureusement. En effet, parce que c'est deux sujets différents. La recyclabilité de vos produits, nous le voyons. Elle n'y est pas question. Mais par contre, je pense que là, on peut la noter. Ça peut être une question supplémentaire à rajouter. Avez-vous des emballages recyclables? Question qui me dit que vous n'avez pas les mêmes questions. Oui, je sais. Le questionnaire est fait par catalogue. Donc, selon le catalogue où vous êtes, donc là, je fais les DMI, mais vous me posez les questions là où je n'ai pas répondu, si vous voulez bien. Ça vous va?
Là, ma question majoritaire. Après, il y a des questions proches à chaque cœur de métier. Parfait. Donc, en effet, la recyclabilité n'est pas incluse, mais la rajouter pour l'année prochaine, parce que en effet, c'est important. Et la recyclabilité, et comment vous accompagnez l'établissement de santé à recycler ce carton. Parce que même s'il est recyclable, votre carton, il peut se trouver en incinération. Et là, c'est très dommageable. Il faut s'assurer de toute la chaîne. C'est-à-dire que si en R&D, vous avez travaillé sur un emballage recyclable, il faut vous assurer que l'établissement de santé le recycle bien. Nous, c'est le point que l'on défend. Alors, proposez-vous une solution de reprise gratuite des emballages de livraison auprès de vos clients? Donc là, la question est un peu pointue, un peu focusée sur une solution. Si vous avez d'autres solutions aussi pertinentes que la reprise gratuite, je pense vraiment à cet emballage qui, si vous le videz de son air, ne représente plus que 1% de son volume initial. Là, nous sommes preneurs de ces idées. Donc, l'année prochaine sera révisée pour être plus ouverte sur les innovations sur les emballages. Là, c'est une politique d'incitation au regroupement des commandes. Donc là, oui, alors je reprends, je vois qu'une personne m'interpelle. C'est vrai que pour les prestataires de services, c'était le premier questionnaire que j'ai montré. Et il y avait question, une quinzaine, je crois, maximum, qui vous concernait. Et en effet, si vous avez un questionnaire qui vous pose ces questions-là, c'est que vous n'êtes pas dans le bon catalogue. Donc là, je me le signaler. Avez-vous mis en place une politique d'incitation au regroupement des commandes? Alors là, j'aimerais qu'on aille, je suis un peu utopiste, mais qu'on aille au-delà du franco de port. Qu'on fasse une analyse pointue de calcul de la moyenne de vos commandes par vos établissements. Et on peut le faire ensemble. Vous pouvez nous sensibiliser sur le point et essayer d'avoir une action commune avec l'établissement de santé pour les accompagner à mieux commander, à regrouper leurs achats, à payer les petites commandes parce que ça leur coûte cher et que c'est très cher en impact carbone. Et nous, des généralités, c'est mis en place un système de dématérialisation des commandes. Donc, la CI ou tout autre système que vous avez, et il suffit de nous expliquer quel est le procédé que vous avez. Donc là, fait les DMI, est-ce que vous voulez qu'on aille voir un autre... Alors, je préférerais que vous me posiez des questions où vous n'avez pas répondu, parce qu'il me semble que j'ai balayé toutes les questions importantes et pas à me dire vos remarques, vos questions, et je vais y répondre au mieux. Alors, à signaler donc que notre plateforme performance compte 30 questions avec pratiquement toutes ces questions, mais ayant des numérotations. Tout à fait. Qu'en fait, il existe, je crois, 45 questions au total. Donc, que l'algorithme fonctionne, il a fallu que l'on croise des questions et que ça, la plateforme fonctionne le mieux possible pour qu'après, je puisse tracer tous ceux qui ont répondu à la question pertinente. Par exemple, des ratios du point emballage. OK. C'est bien. OK. Donc là, on me dit que tout va bien pour quelqu'un et qu'il répond demain et qu'il revient vers moi. Si besoin, je suis disponible. En plus, demain, je suis dédiée complètement à lundi vert, donc aucun problème. Mais bonne soirée à vous aussi. D'autres questions? C'était le moment des questions, la dernière ligne droite avant l'évaluation. Et puis je suis, vous le savez. Pour vous dire que Elodie va être remplacée par David. David. Bonjour. Voilà. Donc David vient. Rejoindre. Ah, la question par question. Alors, est-ce possible d'avoir la liste des questions pertinentes?
pertinente pour nous prestataires. OK. Ce que je vous propose, monsieur, c'est qu'on se contacte en message privé, que je fasse votre changement si on n'est pas sur le bon catalogue. Qu'on fait pour soumettre mon questionnaire? Je ne vois pas de bouton soumettre ou autre. Et bien, chaque fois que vous validez une question, vous avez un bouton valider au bout. Et quand c'est fini, c'est validé. En fait, à mesure, tout simplement, ça se valide. Vous rappelez ou soir ou demain sans problème, d'accord? Ok. Le soumettre, c'est aussi simple que ça. Vous validez chaque question ça, automatiquement, ça génère votre formulaire. Et le 1 mars, à l'heure de vendredi, où je pourrais décider de reporter d'une semaine, mais je ne le souhaite pas, 31 mars, c'est fini. Vous n'aurez plus retourné sur la plateforme. De votre participation. D'autres questions, d'autres réactions? Information. Hop, je vous montre le camembert. Voilà, 40% des formulaires ont été renseignés. Et 22 n'ont pas validé leur réponse. Pour l'instant, on en est 22%. Donc, c'est important et idéal de valider quelques questions. Pour information, ça peut être juste des étourderies où les gens, en fait, ont oublié de valider ne serait-ce qu'une question. Ça peut, du coup, faire stagner le questionnaire en valider, mais sans réponse. Donc, ça, en fait, de pouvoir vérifier en passant quelques minutes sur le site et bien vérifier que vous avez validé chaque question. Il peut y avoir une omission. Nous, on est prestataire aussi de CAP et on remplit l'indice. Et ça nous est arrivé, en fait, de simplement d'omettre la validation d'une réponse. Donc, pensez à le vérifier bien à chaque ligne. Et la dernière recommandation, n'oubliez pas de mettre les documents importants et moi je suis à votre disposition jusqu'au 31 jusqu'au 30, puisque le 31 c'est un samedi, donc jusqu'au 30 pour vous épauler à réussir cet indice. Donc les prochaines étapes, vous finissez de valider 31 mars, donc du début jusqu'au 31 mai, nous évaluons, nous pondérons les résultats. Je ne sais pas si matériellement nous aurons la possibilité de balayer les 200 ou 300 répondants. Je ne sais pas. Nous allons faire notre maximum pour pouvoir envoyer une réponse personnelle à chacun. Et les résultats officiels sont le 8 juin à la direction de CAP et le 11 juin à la journée des partenaires où vous êtes aimablement conviés à participer. Vous avez dû recevoir l'invitation. Si vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas à me solliciter. Ça se passe dans les locaux de la CAP. Nous aurons la remise de la bourse CAP, la remise de l'indice vert, la remise des audits de conformité, la signature de la politique RSE de CAP et tout le thème de la journée sur le bien-être et la bienveillance des collaborateurs et des patients. Voilà. Je pense qu'on peut clôturer, si vous le voulez bien, cette webconférence. Je vous remercie de votre participation. Enregistrée, je vais la diffuser. Je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Alors, on va faire l'enregistrement pour toujours. Ouais, on va faire mon truc. Quelle maîtrise du temps. Ouais.